Voilà, eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être un tuto Photoshop. Je vais vous montrer comment modifier la taille d'une photo pour pouvoir mettre facilement sur Internet ou créer une miniature pour YouTube. Parce qu'effectivement, quand vous mettez une photo sur Internet, souvent les fichiers sont trop lourds. Et ils prennent beaucoup de temps et certains sites internet ne les acceptent même pas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. On y va. Bien, alors donc là, on va ouvrir le programme Photoshop. Voilà. On va ouvrir les photos. Donc là, je vais aller plutôt sur Photo 2018. Et là, je vais aller sur Photo Encore, je vais prendre une photo de mercredi, et là, je vais choisir celle-ci. Voilà. Donc, j'ai cliqué deux fois. Maintenant, ben là, sur le premier écran, là, eh bien, il me propose la photo. Donc, je vais faire OK, et la photo s'affiche. Maintenant, pour modifier la taille de la photo, pour pouvoir la mettre sur Internet ou créer encore une miniature sur YouTube ou l'envoyer par email, eh bien, on va changer la taille. On va aller sur Images, voilà, taille de l'image, voilà. Alors là, il vous donne les informations. Vous voyez, il vous donne 53,3 MO. Et en fait, là, ici, vous avez les dimensions en pixels. Donc, on a 5184 sur 3456, c'est très très lourd pour une photo pour mettre sur Internet. Elle va avoir du mal à charger, surtout si vous l'envoyez par email. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la modifier. Et là, je vais mettre par exemple en largeur, je vais mettre 50. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais la sauvegarder. Je vais aller sur Fichier. On va faire Enregistrer sous. Là, ici, eh bien, je vais mettre Photo. Qu'est-ce que je fais là? Photo YouTube numéro 2. Voilà. Et là, eh bien, je l'enregistre. Donc là, il me propose de base standard optimisé et moi ce que ou progressif optimisé. Dans ces cas-là, moi je vais garder le standard. Voilà. Donc la photo a été modifiée. Alors maintenant, eh bien, on va aller sur photo, voir nos photos 2018. Voilà. Donc on va sur photo encourage. Mercredi montagne et voilà. Et donc là, on va retrouver la photo. Alors là, c'est la photo originale. On va lire les informations et en fait, les dimensions en pixels, c'est toujours 5184 sur 3456. Maintenant, on va aller voir la photo que l'on a modifiée. Voilà, qui est ici. Donc, on va lire les informations. Et comme quoi, vous voyez que la taille est de 1417 sur 945, qui est bien pour Internet et aussi pour créer une miniature sur YouTube. Voilà. Donc, je vais fermer. Et quand on veut voir la photo, ben, vous voyez, c'est quand même une photo correcte, mais que vous pouvez facilement partager sur Internet et sur YouTube. Voilà, et ben moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que ça peut vous aider pour modifier vos photos avec Photoshop. Je ferai d'autres tutos sur Photoshop, par exemple comment faire des flous sur le visage ou d'autres modifications. Aussi, je ferai des tutos très prochainement sur Final Cut Pro.
Voilà. Alors donc, si vous avez des commentaires, allez-y. Si vous voulez plus de tutos, si vous avez des idées de tutos, eh bien, vous pouvez aussi laisser en commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et aussi de vous abonner à cette chaîne tuto. Voilà. Moi, je vous dis à plus tard. Bye bye.